Et salut le team 72 et Coco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les rentrées du mois de mars. Donc on a fait de belles rentrées encore. Une belle petite console en boîte, ma petite console de cœur, pas mal de jeux et après bah, d'autres trucs dont tu vas parler. Toi t'es hyper content. Hein. Voilà, donc avant de commencer aussi, voilà, merci pour la petite intro. Merci à Graham et voilà, son père nous l'a envoyé. Hein. Merci les amis. Voilà, bah voilà, bah merci, voilà. T'étais Bonne fête de Pâques. en panne de respiration, toi? Voilà, après, bah bonne fête de Pâques, ouais, voilà, hein, c'est ce week-end. C'est les cloches. Hein. Ouais. Comment tu vas? Bonne fête? Ouais, bonne fête à toi aussi. Bah, Hein. je rigole, Coco. Donc voilà, les amis. Comme Coco l'a dit, voilà une petite vidéo comme d'habitude en fin de mois, début de mois. Enfin, là, on a un petit peu déjà entamé le mois d'avril, mais nos rentrées du mois de Mars. mars. Beaucoup de belles choses qu'on va séquencer en deux parties parce que j'ai trouvé un écran, enfin, un vidéoprojecteur de toute beauté à un prix de ma boule. Présent, l'annonce évidemment Le Bon Coin, puisqu'on a acheté deux choses sur Le Bon Coin ce mois-ci. Ben voilà, enfin, je ne comprends pas que des trucs comme ça restent. Après, c'est vrai qu'on abrite quasiment sur la Lune ici. Il n'y a pas grand-chose, mais enfin voilà, l'annonce là, presque 3 mois, personne dessus, un prix de malade, rétroprojecteur de marque Samsung sorti en 2002, donc la toute fin des rétroprojecteurs. J'en ferai bien la pub comme ils font les vendeurs, écran plat, coin carré, enfin, tu vois, t'es comme ça, voilà, avec on vous le livre à la maison avec un grille-pain et puis peut-être du matériel pour le jardin. Mais enfin voilà, le truc, il est super, je suis super Ah ouais, content. pas abîmé ni rien. Il est magnifique avec le meuble, enfin voilà, rien que le meuble, le gars, il avait acheté 300 euros, il a négocié, enfin voilà, son truc. Mais il y en avait pour des sous, l'écran 3000 et voilà, 3003 avec le meuble. Enfin voilà, que j'ai eu pour. pour pas grand-chose, c'est un truc de fou. Il passait tout juste dans la voiture, les amis. J'ai contacté le gars, j'ai demandé les mesures et tout ça, parce que vous savez, le rétroprojecteur, ça prend beaucoup de place, c'est encombrant. Mais voilà, enfin, je suis content de le rentrer. On vous en parlera en deuxième partie si vous allez jusqu'au bout. Voilà, je ferai une petite présentation. De vendeurs de vidéoprojecteurs. Donc voilà, mais en attendant, et encore un grand merci à Graham, Ouais. évidemment. Merci Graham pour ta petite contribution à la chaîne, ça fait plaisir et c'est ça qu'on vous dit tout le temps. Merci d'être, voilà, de participer voilà, à notre petite chaîne et voilà, ton travail en fait partie. Donc on va la poster quelques fois et puis après, bah, si tu travailles, mais pas la nuit, hein, sur une petite. Vidéo pour la présentation de notre chaîne. Voilà, faut pas travailler la nuit pour ça. Hein. Mais C'est ton père qui nous l'a dit. Donc voilà, mais merci à toi. Et puis si voilà, ça t'amuse d'en refaire, et bah écoute, tu nous les envoies, on les remettra, on dira que c'est ton job sur la chaîne si tu veux bien. En tout cas, merci, c'est super ouais, gentil c'est et merci à Claude, voilà, de nous avoir transmis ça. Ça fait plaisir, les amis. On est super contents. Donc voilà, après, on parlera du groupe. N'oubliez pas, il faut ouais, jouer. à la fin. Ouais. Allez, vas-y, présente, Coco. Donc je vais commencer par ma petite console de cœur. Alors, Attends, parce que là. ouais. Voilà, tac. Avec. Donc elle était vendue, la Xbox 250 Go, une des dernières générations aussi, complète dans sa boîte, avec le Kinect en boîte et avec combien de jeux, Coco? 11 jeux. 11 jeux, ouais. Et donc voilà, j'ai arraché parce que c'était pas beau, quoi, mais quand la personne l'a acheté, donc voilà, c'était vendu avec. Ils avaient rajouté, comme ils ont fait souvent, hein, sur la Xbox première génération aussi, ça a été fait. Ils ont rajouté un jeu, donc il y a un code barre différent. Ils ont rajouté le FIFA 14 qui faisait partie du pack. Donc voilà, qu'elle nous a donné, Ouais. évidemment. Ça faisait partie du lot. Ouais, après. Dans les autres jeux, il y avait Jonah Lomu Rugby Challenge. Ouais, ici, on est dans le pays du rugby. Donc Ouais. évidemment, suivant les régions, il y a des jeux qui sortent plus que d'autres. Le Forza Horizon, on avait déjà le 2, donc là, du coup, on a le premier. Lego, le Hobbit. Que tu pourras jouer avec ton volant, d'ailleurs. Ouais. Minecraft aussi.
Ça va, parce que pour le coup, en plus, c'est tous les jeux que t'aimes bien. Je vais mettre le micro là, parce que là, on ne voit pas nous. Hein. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. En plus, tu dois crier dans le micro là. Arabe. Le GTA 5. Ouais. Qu'on va chercher sur la Play 3 aussi, parce qu'on a un pack qui nous manque le jeu. Le Asura Wars. J'ai regardé un petit peu des vidéos, c'est spécial. C'est sur la mythologie asiatique. Et en fait, c'est un jeu d'aventure et de combat. Donc voilà, je vais bah, faire un petit test. Hein, et s'il me plaît, bah, je vais le faire. Le Alien vs Predator. Ça, c'était autre. Voilà, ça, c'était autre. Ouais, ça faisait le pas Alien, partie. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, on l'avait acheté. Voilà. Temps bah, ils sont où tes 11 jeux là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'est pour ça. Le Call of Duty Advanced Warfare. Ça, c'est un doublon. Donc si jamais... Vous voulez faire des échanges hein, avec ces deux autres jeux-là. Le Call of Duty Black Ops 3. Et le Kinect Sport saison 2 aussi en double. Voilà, donc si bah, vous voulez faire un échange, bah, je suis preneur. Hein. Et c'est pas un Catherine ou un Alice au Pays des Merveilles. Hein, tout ça, c'est des jeux trop répandus. Donc voilà, ouais, ça... Mais bon, quand même, on sait jamais. Hein. Et donc voilà, ce lot-là, donc il y avait en jeu le Kinect, la boîte. Donc tu veux que je raconte ou tu racontes? Ouais, vas-y, raconte, tu racontes. Alors c'était une annonce du Bon Coin, là aussi, 2 ou 3 mois déjà que l'annonce était en ligne. Donc je la suivais un petit peu, l'annonce, parce que. Donc pour ça, ce lot-là, c'était 150 €. J'ai dit, je ne mettrai pas ce prix-là. Je la revois, l'annonce, elle a disparu. Elle est remontée en tête de liste avec un nouveau prix, 120. Et puis, je dis à Coco, ça ferait quand même encore une Xbox de plus en boîte dans ta collecte. Et voilà, il y a des jeux qu'il n'y avait pas. C'est surtout aussi ouais, pour c'est ça. Ouais. Donc, je dis, écoute, je vais contacter la dame. On joue la Kinect et la console en boîte de 150 Go, une des dernières générations. J'envoie un message à la dame et je lui dis, je vous fais une proposition de 50 €. Et Coco, elle me dit, elle ne voudra jamais. Et puis, elle m'a répondu très, très vite. Alors, des fois, je tente hein, des choses. Les gens, ils ouais. répondent pas et tout. Vous savez qu'on est, voilà, nous, c'est ambiance vide-grenier. Et quasi instantanément, la dame, elle m'a répondu. Elle m'a dit, OK, tout ça. Donc, c'était un milieu de semaine. Et voilà, avec le boulot et tout, je lui ai dit, on fera ça un dimanche. Elle m'a dit, bah, recontactez-moi le dimanche et tout. Et puis, elle m'a donné son adresse. Je suis allé chez elle. Et voilà, donc on a eu ce pack-là pour... Enfin, le lot-là, pour ouais. 50 €, je suis super content parce qu'il y a quand même mon jeu. Il y a, voilà, Kinect et la console en boîte. 250 Go, donc voilà, belle affaire, moi, je trouve. Ah oh ouais, bah oui, puis, c'est... Voilà, et puis après, pour voilà, ta collection 360... Ça fait des jeux en plus et une console en boîte en plus. Voilà, voilà. Et puis, donc voilà, je suis super content ouais. pour toi. Enfin, avec le Covid, j'étais tout seul à rentrer chez la dame, là, où j'ai parlé ouais, du coup, ouais. une, pendant demi... 30 minutes, ouais. Ouais, une demi-heure facile. Ouais. Donc voilà, on a parlé de jeux vidéo, enfin voilà, plein de choses, quoi. Elle était dans le commerce, moi aussi, donc ouais, un petit peu débattu sur, voilà, sur la clientèle, exécrable, désagréable. Voilà, ce qu'on connaît tous en magasin, évidemment, mais bon, voilà, ça, c'est autre chose. Voilà, donc après celui-là aussi, on l'avait acheté à Brive. Ouais, après, on a fait quelques caches, ouais, tout ouais. à fait. Donc le Alien vs Predator, il était à 4,99 celui-là. T'étais okay. m'étonné du prix, toi. Ouais, je me dis que moins de 5 € pour ce jeu-là, c'était pas mal. Il a l'air d'être franchement super intéressant. Après, on les connaît pas tous. Non. Hein. Après le MX vs ATV Extreme Limit. Ouais, un jeu de pêche. Non, un jeu de motocross, voilà, voilà, oui. c'est du cross quoi. Connu, connu. Le Mirror Edge. Ah, celui-là plus intéressant. Oui, il a l'air d'être pas mal. Ouais, ouais, c'est un super jeu ça. Je vais tester, après bon, FIFA 15. Jeu de voiture. Ouais, FIFA 12. Jeu d'argent. Et après le Rocksmith. Et jeu d'aventure. Voilà. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui concerne la 360 pour Coco. Donc tu es content parce que ah ça ouais, te bah, fait, ça fait une petite plus-value ouais. dans ta collection. Ouais, tu te rapproches, tu dois pas être loin des 200 ouais, jeux ouais, maintenant je suis pas Xbox loin, ouais. 360, donc c'est cool. Donc voilà, après, ça fait un petit moment que j'en parle avec Coco. Je dis, je vais essayer de faire rentrer avec les vide-greniers du jeu. Voilà, plein de trucs un peu, voilà, du jeu vidéo, mais un peu... Délicieux. Autre chose, voilà, c'est ça, tout à fait. J'ai
On a été à Emmaüs, hein. On a Ouais. acheté ce lot-là à Emmaüs, 1 euro pièce. Voilà, on a acheté tous des jeux PC. Alors évidemment, vous savez tous comme moi que tout ce qui est jeux PC en DVD, ça passe encore sur Windows 10. Mais après, tout ce qui est jeux PC en CD, En voilà, CD, faut ouais, ça passe plus. revenir. Il y a des jeux qui passent et d'autres pas. Donc c'est un peu compliqué de tout faire tourner avec nos PC d'aujourd'hui. Mais bon, voilà. On a acheté un Battlefield Bad Company 2. Un des Medal of Honor, enfin les plus récents, on va dire. Après, en plus ancien, on a voilà le débarquement allié de luxe. On a un métro, voilà, complète édition. Et, enfin, franchement, graphiquement, c'était déjà très très joli. Hein. Mais voilà, ceux-là, ils passent aujourd'hui. Un Turok Evolution, je donne des coups dans le micro, moi. Après, j'ai pas, moi, je suis pas très très pressé, hein, mais voilà, ces jeux-là, je les ai faits. Les Battlefield 1942, donc là c'était la bataille d'Italie. Il y a des add-ons évidemment, hein, je me rappelle. Je ne suis pas trop PC, mais je me rappelle encore. Voilà, l'édition de luxe. Un Commando 2. Un Call of, les meilleurs, hein, c'était les premiers, franchement. Un Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Et les aventures de Tintin qu'on a installées, qu'on a commencé un petit peu à faire. D'ailleurs, on l'avait fait, on avait posté des photos sur Du le jeu, groupe. ouais. Ouais, sur le groupe. N'oubliez pas, il faut jouer, les amis. Si vous n'êtes pas encore sur notre groupe, on est. Enfin voilà, c'est une réussite totale pour Ouais, nous. On a dit, on c'est... va se créer un groupe. On sera un peu plus, voilà, proche de la communauté qui nous suit. Et voilà, aujourd'hui, en quelques semaines, on est à 110 ou Ouais, 111 abonnés. 111, ouais, c'est ça. 112 personnes sur ce groupe. N'oubliez pas, il faut jouer. Je vais mettre le lien dans la description. Voilà, il y a une très belle communauté où on partage notre passion du rétro, du jeu, voilà, de l'audio, de la vidéo. Beaucoup des OST de vinyle qu'on a découvert là, Ouais. cette semaine. Beaucoup, voilà. Donc, il se passe de belles choses. Il y a un petit concours en ce moment. J'en ai déjà parlé du concours? Non. Non, t'en as Il y a un parlé. petit concours, donc le troisième, on avait commencé en février, il y a eu celui de mars. Et pour avril, il y a deux jeux qui sont à l'honneur sur les défis. La première quinzaine d'avril, c'est Daytona USA, donc voilà, sur Play 4 et tout ça, sur le PlayStation No, Now. ouais. Voilà, et il y a tout un panel de jeux en payant 9,90 € pour un mois. Je ne fais pas de pub, hein, pour Sony, je ne suis pas Ouais. comme ça, mais je touche rien. Mais voilà, ça nous permet de jouer à des jeux. Et deuxième quinzaine, ce sera un Redon 4, les amis, un beau petit shoot'em up. Voilà, donc venez nous rejoindre sur le groupe, n'oubliez pas, il faut jouer. On va faire une petite dédicace à Studio et Mamie Gaming. Ouais. Parce que l'année dernière, on avait commencé les lives en Play 4. Il y a des jeux qu'on finissait pas. On nous fait chier quand même un petit peu à toutes les vidéos pour nous Ouais, mais dire, bon. ouais, vous n'avez pas fini Medieval, vous n'avez pas fini. Enfin, il y a deux, trois jeux qu'on n'a pas fini. Chut, chut. Donc Tomb voilà, mais là, depuis le début de l'année, on finit tous nos jeux. Toi, il faudra que tu finisses Fade to Silence, que tu dois finir Raider, en off. Mais donc voilà, donc venez nous rejoindre, c'est voilà, super sympa, très très bonne ambiance familiale, conviviale, un peu voilà comme nous, hein. Donc voilà, où on partage de très très bons moments avec des personnes qu'on apprécie beaucoup. ouais. Donc voilà, on continue. Donc les jeux PC c'est fait, la Xbox c'est fait, qu'est-ce qu'on a encore? Je vous Et bah. parlerai de la télé après. On s'est trouvé encore quelques jeux. Et aussi un jeu qui a fait beaucoup parler en PlayStation 1. J'ai acheté trois jeux en cash, 2 euros pièce. Bon, l'état des boîtes sur celui-ci, elle n'est pas ouf. 2 euros le jeu, il y a encore le prix dessus, je vous montre. Hein. Mais voilà, le Crime Killer que moi je ne connais pas. Voilà, vous avez vu la boîte. À mon avis, le mec, il a voulu le mettre au four. Donc voilà, mais. Voilà, c'est le shoot'em up de course-poursuite. Le plus dément jamais vu sur la Play. Donc voilà, je vais le tester. Je ne l'ai pas encore testé. Il est complet. Tous les jeux sont complets en très très bon état. Je vous montre. Enfin, très très bon état. Non, je m'entends. Les Ouais, disques c'est... sont magnifiques. Mais ils sont complets avec les jaquettes et tout ça. Les notices. Donc voilà, le Crime Killer après un Largo Winch avec, que j'avais pas. Donc je l'ai pris à 2 euros. Tous les jeux sont à 2 euros là. Donc voilà, que j'avais pas, mais la boîte elle est un petit peu, vous Ouais. voyez, défoncée là. Ça c'est donc il se trouve, hein, des boîtes Play comme ça avec le logo PlayStation, on en trouve
sur le net. Et voilà, un très très bon jeu aussi, le Alone in the Dark, The New Nightmare, complet également, avec voilà, ben, la maladie, on va dire, vous voyez, déboîté, mais il est complet, les deux CD et le livret, à 2 euros également. Dans ce même cache, on a trouvé en jeu Play 2 un Urban Chaos à 2 euros. Je les ai pris parce que je les avais pas ou plus. Donc voilà, putain, là le gars, ouais, j'avais vu ça. Donc il y a la notice et le gars en fait qui avait fait tous ces codes là. Les cheat codes, il y a la liste et tout, c'est trop marrant de voir des trucs comme ça. Il avait été sur le net, il se l'est imprimé. C'est trop trop marrant, enfin, voilà. Recto verso. Donc voilà, le jeu en très très bon état. Et après, j'ai trouvé un Brother in Arms. Là, c'est le Earned in Blood. Voilà, qui est complet aussi. Et à 2 euros. Bon, c'est du commun commun, mais enfin, on les avait plus. Voilà, pour le prochain live Play 4, puisque là, on est sur Le Wonder Boy, ouais. le Wonder Boy. Donc voilà, que j'avais fait, qu'on est en train de refaire, où j'en chie un petit peu quand même. Il y a des trucs, c'est pas Ouais, il y facile. a Hein. des Le trucs boss quand même. d'hier, il nous a cassé la tête un petit peu. Alors, on va essayer de le finir là, peut-être ce soir. Donc le live 20h30 sur Wonder Boy, épisode 4. Mais j'ai trouvé, enfin, j'ai pas trouvé, je l'ai acheté, on l'a acheté. Le Balan Wonderworld, qui est sorti le 26, 23, le non, le 26, 26 le 26 mars. sur Donc voilà, donc Ah ouais. les live, il sera en live juste après le Wonder Boy. Ouais. Donc voilà, moi honnêtement, j'avais vu des petits gameplays. Le jeu me semblait super joli, avec des graphismes magnifiques et tout ça, qui s'est encore une fois fait démonter par la critique. Ça me saoule aussi, ces testeurs là, qui sont tout le temps en train de donner des notes et des critiques au jeu, enfin voilà, sans y jouer vraiment, hein, on connaît tous la Oui. musique, mais voilà, il est mal noté, et pourtant il était très attendu, enfin nous on l'a pris, on va le faire, donc voilà. Et donc voilà, on va venir au dernier, donc à Emmaüs encore, on a acheté... de la cassette audio, vous savez qu'on avait fait une petite vidéo sur la cassette audio qui revient. Donc pour 1,25 euros, Ouais, c'est ça. j'ai acheté le Fredericks, Goldman et Jones. J'ai trouvé une petite cassette de Rondo Veneziano que j'aime bien quand je me lève le matin. Un Mike Brandt. Donc là, c'est les séries, il y en a eu beaucoup, même en CD, mais voilà, en cassette aussi, les Master Series. Et la plus grande discothèque du monde, volume 6. Donc voilà, 4 cassettes pour 1 euro. Je pense que c'est pas si mal. Je les ai toutes écoutées déjà. Très très bon son. Que j'ai Ah ouais. mis ça là-dessus. Donc on l'a acheté en cash. Elle est complète. Enfin, il manque la télécommande. C'est peut-être pour ça que le prix est... Enfin, il m'a dit, il manque la télécommande. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas impotent. Je vais me lever. Je vais changer. Je vais mettre. Augmenter le son et passer les plages, mais voilà. Je vais la monter un petit peu parce que c'est quand même une belle marque, Philips. Donc la chaîne ici avec les deux enceintes, le plateau, 3 CD, mais surtout, 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 le double cassette. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et on en a déjà pas mal profité puisque du coup on repasse du CD audio et de la cassette audio. Donc voilà, en très très bel état. Enfin voilà, Philips, évidemment. C'est ce que j'avais dit. J'ai déjà posté ça quand on l'a acheté sur le groupe. Voilà, mais je l'ai acheté parce qu'on en recherchait une. On avait dit on trouvera peut-être en vide-grenier. Mais là, on a pu la tester tout en magasin et on a payé 15 euros, les amis. C'est vraiment une super affaire. On en Non. recherchait une. Voilà. Moins d'un billet de 20, franchement pour ça on l'a déjà bien exploité parce Ah qu'elle oui. va tous les jours. Voilà, je repasse mes vieilles cassettes, j'en ai un petit paquet là. Donc voilà, 15 euros pour cette chaîne ici de marque Philips. Il manque la télécommande, mais Ouais, mais je ça, c'est m'en pas... fous. Mais je suis Voilà. très content, je suis très très content. Donc voilà les amis, on va se retrouver, on va faire une petite coupure, on va changer de position puisque je vais me mettre devant la télé en mode de... En mode vendeur, et on va vous présenter cette magnifique télé. Je suis très très content de l'avoir. Donc Coco va filmer tout ça. Et voilà, mais très très bel écran.
Voilà, allez, on y va, on coupe et puis on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve pour le plus bel achat du mois, hein, donc le rétroprojecteur. Hein. Voilà, donc vraiment c'est un de ces bazars hein, quand même. Donc ouais, tu m'en avais parlé parce que t'en recherchais un et t'en avais eu un quand j'étais plus petit ou pas né. Et donc ouais, quand j'ai vu le bazar, j'étais quand même impressionné quoi, parce que c'est quand même assez grand quoi. Enfin avec le meuble en plus qui est fait sur mesure. Voilà, donc vous voyez, il est bien parfait. Donc bah c'est vraiment un monstre. Il est quasi plus grand que moi-même. Voilà, donc ouais, et t'avais demandé au monsieur pour prendre les mesures parce que on savait pas si ça passait ou pas dans la voiture parce que c'était quand même assez loin. Il y avait 1 heure et demie de route pour aller. Ouais, il y a eu 3 heures aller-retour, ouais, Ouais, c'était 3 heures chiant. aller-retour. Ouais, donc si on faisait ça et que ça rentrait pas dans la voiture. Il fallait que ça passe. Ouais. J'avais contacté le gars, donc l'annonce 3 mois déjà hein, sur le bon coin. À un prix de malade, regardez-moi ce truc avec le meuble et tout, tu peux descendre, Coco. Bon, évidemment, il y a les vidéos Laserdisc là, bon, il y a le Terminator comme je vous avais parlé tout à l'heure. J'avais branché la NES, la Mega Drive. Voilà, j'ai joué à Nightmare Buster dessus. Voilà, je regarde des vidéos Laserdisc, c'est franchement impressionnant. Elle avec la télécommande elle est là-bas. Donc la télé complète avec le meuble et tout, marque Samsung, écran plat, coin carré, HDTV 1080i, parce qu'avant le P, il y avait le I. Mais voilà, avec 3 prises Péritel et tout ça, c'est franchement. Bon, il n'y avait pas de port HDMI, mais il y a une prise VGA dessus. Je dis pas de conneries, ouais. Prise VGA, c'était vraiment le truc. C'est sorti en 2002. La personne chez qui je l'ai acheté, il avait payé 3 000 euros. Il m'a dit, il y avait le meuble qu'il fallait acheter en plus, parce que la télé, évidemment, elle se sort de là. Mais avec le meuble et tout ça, c'était 300 euros de plus. Un truc à 3 300 euros, il y a 19 ans, qu'on achète 35 euros il y a 3 semaines. Je suis super content. Franchement, le rendu est magnifique. Je suis super, super heureux d'avoir ça dans la maison. C'est encombrant, oui, mais c'est tellement jouissif quand on joue à un jeu comme ça. Et les films dessus, c'est une tuerie, les amis. Donc voilà, on trouve encore, et voilà, ça donne de l'espoir. Je sais qu'il y a des gens, peut-être après la vidéo, qui vont se dire, ouais, bon, moi j'en ai un ou j'en recherche un. Mais voilà, pour 35 euros, les amis, ce qu'on peut se trouver quand même en cherchant bien. On est à 50 euros avec la chaîne Wi-Fi. Hein. La chaîne Wi-Fi plus ça, c'est un billet de 50 euros. C'est franchement pas excessif. Non, c'est Et je waouh quand suis même. très très content. Alors, bon, je ne vous l'ai pas allumé, je ne l'ai pas branché, je ne vous ai pas mis un film, je n'ai pas mis un jeu. Mais comme on arrive en période de vacances, ce qu'on pourra faire, c'est peut-être se filmer un petit gameplay sur un jeu Mega Drive, un jeu Super Nintendo, pour vous montrer un petit peu. La qualité du produit, et puis se mettre un. Après, je sais pas si je vais mettre un film en vidéo laserdisc avec le son, mais parce qu'après, il y a des. Déjà, ça veut déjà dire. Je m'étrangle. Ça veut dire, Greg, tu peux pas le faire. Mais voilà, avec les droits d'auteur et tout ça, mais je vous aurais bien mis un Ouais. Terminator, les amis. C'est un truc de malade. Mais voilà, je suis très content. C'est une super affaire. Et le produit est magnifique. Il est dans un état, mais regardez-moi ça. C'est fou. J'ai quelques petites questions aussi. Il Ouais. consomme combien? Ça consomme ben, 3 litres au 100. Ok, il fait combien en taille aussi? Parce que. De là à là, il fait 109 cm. C'était un C'est pas des. mal, hein? Ouais, non, mais enfin voilà, moi je suis très très content. C'est un truc de fou. Il est magnifique. Je vous le dis, je vous le répète. Depuis que je l'ai, il tourne tous les jours. Hein. C'est Ouais. franchement, je regarde un film tous les soirs où je joue, je me fais une petite partie sur une console rétro dessus. Alors j'avais posté sur un groupe où on me disait, ouais, c'est pas forcément un appareil pour jouer à des jeux vidéo, brancher des vieilles consoles, mais ben si, moi j'ai envie de dire si. Bah oui. Après, il y a tout le temps des gens qui sont dans la tech. Bah Nudicité, ouais, je ouais. sais plus. Mais voilà, ils sont un peu trop techniques pour moi. C'est pas un écran pour jouer. Mais si, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Et franchement, les films, c'est super cool. Et les jeux vidéo, c'est magnifique. Donc voilà, les amis, cette petite seconde partie de vidéo pour vous montrer
L'appareil qu'on a acheté pour 35 euros, je rappelle, un truc de malade, je suis Ouais. super content. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. Évidemment, laissez vos commentaires, je vous répondrai. Après, ben, vous lâchez un petit pouce comme d'hab, ça fait toujours plaisir. On va mettre le lien du groupe dans la Ok. description, comme on fait toujours. Venez nous rejoindre, les amis, franchement, ça permet, voilà, d'être en contact. Plusieurs fois dans la semaine, de présenter des choses, de discuter, voilà, de parler d'anecdotes du jeu vidéo. On passe de très très bons moments, les amis. Donc voilà, encore bonne fête de Pâques. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, Il faut jouer. et finir vos jeux vidéo. T'es content que je joue? Salut Voilà, salut. les Ciao, amis. ciao, salut Bonne les fête amis. de Pâques. Ouais, salut, ciao. Salut les amis.